Bonjour à tous, c'est Maxime de la chaîne Moderne Guitare. Alors normalement au moment où je poste cette vidéo, nous aurons dépassé les 1000 abonnés, dont je tenais à vous remercier chaleureusement pour l'accueil que vous donnez à ma chaîne. J'espère évidemment que la chaîne va continuer de grandir, mais pour ça j'ai encore besoin de votre aide, donc n'hésitez pas vraiment à partager les différentes vidéos sur vos différents réseaux sociaux pour gagner un peu plus en visibilité. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment jouer très facilement un arpège d'un accord de 9e, et en l'occurrence un accord de 9e de dominante. Pour jouer un arpège d'un accord de 9e de dominante, encore faut-il savoir quelles sont les notes qui composent cet accord. Pour un accord de 9e de dominante, il nous faut donc une fondamentale, une tierce majeure, une quinte juste, une 7e mineure et une 9e majeure. Alors si vous avez encore des problèmes avec les intervalles, bien je vous suggère d'aller voir la vidéo que j'ai réalisée à ce propos. Ici l'exemple que je vais vous montrer, ça va être sur un accord de Ré 9. C'est ce que j'ai utilisé en grande partie dans la petite improvisation que vous avez entendue en début de cette vidéo. Alors si on est sur Ré, eh bien les notes qui vont composer l'accord de 9e de dominante sur Ré, ça va être Ré, Fa dièse, La, Do et Mi. Et vous allez voir que je vais vous montrer une manière très simple de jouer cet arpège avec un principe très simple où on va jouer deux notes sur une corde, une note sur la corde suivante et deux notes sur la corde d'après. Alors si vous avez déjà suivi mes vidéos, peut-être que ça vous fait penser à la vidéo que j'avais faite sur comment jouer la gamme pentatonique à la façon de Tim Miller. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment jouer la gamme pentatonique justement avec ce principe de deux notes sur une corde, une note, deux notes, une note, etc. Donc là, on va reprendre exactement la même idée, mais tout simplement pour jouer un arpège d'un accord de 9e de dominante. Donc cet arpège, vous allez pouvoir le jouer tout simplement sur un accord de Ré 9, mais aussi sur un accord tout simple de 7e de dominante, donc Ré 7. Ou encore sur un accord 7 sus, c'est-à-dire un accord de 7e de dominante, mais à la place d'avoir une tierce majeure, on a une quinte juste. Donc sur ces trois accords, ça va très bien passer. Vous pouvez retrouver la tablature de cet arpège, comme toujours, sur le site internet moderneguitaronline.com dans l'onglet ressources. Alors je vous montre comment on le joue. On va partir du Ré qui se situe sur la corde de la 5e case. Donc on va jouer, suivant le principe que j'ai détaillé, on va jouer deux notes sur cette corde. Donc on va jouer le Ré et le Fa dièse. Que vous pouvez jouer donc avec le premier doigt et avec le quatrième doigt. Voilà, là on a quand même un petit écart, mais si vous n'êtes pas entraîné à faire ce type d'écart, bien allez-y doucement, ne vous faites pas mal, et théoriquement ça ne devrait pas trop poser de problème. Donc une fois que j'ai joué le Ré et le Fa dièse, eh bien je viens jouer le La sur la corde de Ré 7e case. Voilà, donc j'ai Ré, Fa dièse, La. Donc je joue juste une note sur la corde de Ré, et je passe à la corde de Sol. Et sur la corde de Sol, je vais jouer deux notes, la 7e mineure et la 9e. Donc ici sur Ré, on va jouer les notes Do et Mi. Hein, donc je vais avoir ces notes-là, Ré, Fa dièse, La, Do et Mi. La manière dont on va le jouer avec le médiator, ça vous pouvez l'adapter suivant vos modes de jeu favoris. Moi j'ai plutôt tendance à le faire en legato, donc c'est-à-dire je vais attaquer le Ré, je vais faire un hammer sur le Fa dièse, ensuite je viens jouer ici le La sur la corde de Ré, donc avec un mouvement de médiator vers le bas, je refais, je continue comme si je faisais un sweeping ou si je jouais en economy picking. Donc je viens faire le Do ici, toujours avec un mouvement de médiator vers le bas. Et je termine avec le Mi en faisant un hammer. Donc ça va faire bas, hammer, bas, bas, hammer. Donc avec cette technique, bien vous voyez que vous pouvez très facilement jouer ce petit arpège en sweeping finalement.
vous pouvez exactement faire la même chose en sweeping, mais pour redescendre. Voilà. Donc à partir du mi, on fait un pull-off, et ensuite on fait haut, haut, et encore pull-off. Et vous pouvez enchaîner les deux, l'arpège montant et ascendant. Je vous montre la même position mais à l'octave supérieure. Donc une fois qu'on arrive ici, on est sur le mi, et bien je peux jouer exactement le même arpège mais à partir du ré, qu'il y a un ton en dessous du mi. Hein, donc à l'octave supérieure de mon ré de départ. Et je vais faire exactement la même chose, sauf qu'au niveau du doigté, ça va un petit peu changer, puisqu'on a le décalage entre la corde de sol et la corde de si. Donc je commence ici sur la corde de sol, 7e case, et comme au début, je fais un hammer pour aller chercher le fa dièse. Donc deux notes sur la corde de sol, ensuite je viens jouer le la sur la corde de si, et je change de corde, j'arrive sur la corde de mi, et je viens jouer le do et le mi. Et comme précédemment, bah vous pouvez utiliser la même technique de legato sweeping. Hammer, bas, bas, hammer, pull-off, haut, haut et pull-off. Voilà, j'espère que cet arpège vous plaît et que vous allez pouvoir l'intégrer facilement à votre jeu. En attendant, comme d'habitude, eh bien, n'hésitez pas vraiment à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à partager les vidéos sur vos différents réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour du côté de la page Instagram Modern Guitar où je poste davantage de choses et notamment des riffs avec la tablature qui défile en dessous. Bref, allez faire un tour sur le compte Instagram, il y a des choses intéressantes. Voilà, et quant à moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.